Salut, c'est Finky pour Culture FPV et aujourd'hui on va faire un inverted power loop. Un inverted power loop, qu'est-ce que c'est? C'est un power loop mais à l'envers. Donc au lieu d'arriver avec un obstacle comme ça et faire un tour comme ça, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver et faire le tour avec du pitch avant. Et comment est-ce qu'on gère en fait cette figure? Ce qu'on va faire, c'est que on va garder son obstacle avec le pitch avant au centre de l'image, et avec le gaz on va gérer la distance qu'on a par rapport à cet obstacle. Je vais vous montrer comment on va faire ça. Il faut choisir un bel obstacle. On en a un super pour faire ça là, qui est une barre vraiment horizontale. On va pouvoir passer autour et sur les côtés on a assez de place, mais on a des repères visuels, donc c'est super. C'est parti. Alors, on va arriver droit devant et en fait on va garder à l'œil comme ça et on va remettre du jus, voilà. On va en refaire un. Donc on arrive tout droit devant et en fait on garde son œil dessus et voilà. Et on met beaucoup de gaz en fait, quand on est à l'envers, faut mettre quand même pas mal de gaz pour essayer de rester le plus proche de l'obstacle. Et ce qu'on va gérer, c'est vraiment, en fait, avec le gaz, on gère la distance qu'on a de l'objet qu'on est en train de regarder. Et si on le garde en fait à l'œil tout le temps, eh ben, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de l'incorporer dans une ligne. Voilà, j'essaie de faire quelque chose avant. Voilà, et là on arrive. Et voilà,